Bonjour les amis, c'est Monique du Centre de médecine douce. Comme l'ancienne vidéo, les anciennes vidéos, je vous ai dit que j'allais vous présenter quelques supports avec quoi vous pouvez travailler. Donc, avant de vous présenter ce support, je vous demande donc de mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, activer la cloche de notification et abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, je vous présente le livre de Serge Boutboul, « Développer vos facultés ». Ce livre, eh ben, je l'aime beaucoup parce que si vous démarrez dans la spiritualité ou si vous vous cherchez qu'est-ce que c'est que l'aura, qu'est-ce que c'est que le chakra, comment on fait pour ressentir l'énergie, c'est comme ça. Donc vous avez des petites images avec les explications, des anecdotes. Comment développer notre clairvoyance, notre clairsentence, etc. Et à chaque fois, vous avez des petits exercices et des explications. Donc, dans tout le livre, l'aura, c'est quoi? Là, je suis tombée à la découverte de l'énergie. Vous voyez, c'est vraiment top. Et en plus, Serge vous accompagne pas à pas. Si c'est le magnétisme, vous avez aussi, vous voyez, comment on peut apprendre à magnétiser, à programmer son pendule, etc. Donc, je vous conseille ce premier livre très, très intéressant. Si vous débutez et si vous voulez être thérapeute ou tout simplement pour vous, si vous voulez développer vos facultés subtiles et vous entraîner avec votre famille ou autre, bien sûr. Là, deuxième livre, toujours de Serge Boutboul, que je vous présente, « Comment percevoir et agir sur le monde subtil qui nous entoure ». Donc, moi, j'ai eu de la chance d'avoir été au stage de Serge Boutboul. C'est aussi mon mentor. Comme lui, il a eu Raymond Réan comme mentor. Je suis son élève. C'est pour ça que je me permets de vous présenter ses livres. Je vous mettrai les liens de ces deux livres en dessous de cette vidéo. Où là, c'est pareil. Si vous êtes intéressé par le monde invisible et comment faire pour les toucher, être au plus proche, donc vous avez ces deux livres. Voilà, vous avez tout là-dedans. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez les exercices, les explications qui vont bien avec. Voilà, c'était Monique du Centre de médecine douce. Donc ça fait partie, ces deux livres, il y en a d'autres, de mes outils de travail. À vos livres, à bientôt. Au revoir.